Alors, nous revoilà, Walou. Là, on va parler destination féminin. J'ai pas eu le temps de faire le reste de entre deux. Ben là, on va faire le global. Destination féminine. Je vais passer très rapidement. Alors, on a eu France-Irlande. La France a gagné contre l'Irlande 38 à 17. Le Pays de Galles a perdu contre les Écossaises 18 à 20. L'Italie. Ça fait triquer par l'Angleterre 0,48. Deuxième journée, les Françaises ont gagné contre les Écossaises 5 à 15. L'Angleterre a battu le Pays de Galles 46 à 10. L'Irlande a perdu face à l'Italie. Les Irlandaises ont eu 21 à 27. L'Écosse a été triqué par l'Angleterre. Les Anglaises, 0 à 46. L'Irlande a battu le Pays de Galles 36 à 15. La France a battu les Italiennes 38 à 15. Quatrième journée, on a eu l'Angleterre a triqué les Irlandaises. 88 à 10. Suivant. L'Italie a perdu contre les Écossaises 10-17. Les Françaises ont triqué les Anglaises. Hein. Pas les Anglaises. Le Pays de Galles 0 à 40. Voilà, cinquième journée. Le Pays de Galles a gagné contre l'Italie 22 à 20. L'Irlande a gagné contre l'Écosse 15 à 17. Voilà, et la France a essayé bien de gagner. Malheureusement, s'est inclinée contre les Anglaises 21 à 42. Quand même 21 points de différence. C'est pas. Oh, ces garçons, on les extermine les Anglais. Qui nous donne le fini? La fin du meuble. Le classement, grand chelem pour les Anglaises. Ouais. Avec 28 points. Deuxième place, les Françaises, avec 19. Suivi de l'Irlande, avec 10 points. Les Écossaises finissent quatrième avec 9 points. L'Italie finit avec 7 points à la cinquième place. Et les Galloises ferment la porte avec 5 points. En fait, c'est presque à peu près le même classement que les garçons, sauf que les Anglais ont fini troisième, si j'ai mes souvenirs sont bons. Tac, alors je vais juste faire un finish, j'ai un doute. Si, d'assez en parce que là. Alors, hop. En profitant. On active la cloche, ça soutient la chaîne. Ou ça vous coûte rien. Moi, ça me soutient. Ça. M'aide. J'avais un doute. Pas trop. Allô, tac. Tac, ça c'est. Classement. Là, allez, on y va. On se bouge le. Ah, voilà. En fait, chez féminin, les Anglais ont fini premier, que c'est les Irlandais chez masculin. La France a fini deuxième chez les filles comme chez les garçons. En fait, c'est l'Irlande et l'Angleterre se sont changés de place, en fait. Voilà. Les Anglais, chez les masculins, ont fait troisième, que chez les filles, ont fait premier. Les Irlandais ont fait premier, que les Irlandaises troisième. Alors, que l'Écosse a fini quatrième. Elle fait pareil, et puis le reste, en fait, c'est la même chose. Hein. Quatrième, Écosse, fille masculin. Italie, pareil. Et Pays de Galles, pareil. Voilà. C'est clair et net. Voilà. Et. Petite annonce. Il y aura une vidéo construction. On va venir. Il y aura une vidéo construction. Vidéo. Un peu histoire et une vision urbex. Je vous en dis pas plus, mais il y a déjà un indice dans la vidéo là qui
qui va vous donner un indice sur la construction setup. Voilà, c'est une construction setup. Buffalo Studio, bien sûr. À l'avenir, je sais pas quand je pourrais la sortir. Voilà. Le temps, j'ai mes vacances à payer aussi. J'ai vacances vlog aussi à payer. Voilà. Ça va te faire le setup petit à petit, mais je vais vous en faire une vidéo. Voilà. Et puis nous, on se dit à la prochaine. On n'oublie pas, on active la cloche, le petit pouce bleu, tout ça, et on se dit salut and the cost.